Et bonsoir à tous, bienvenue dans cette tournée des bars exceptionnelle. Alors d'abord à 20h, ensuite à 22h, on ne sait plus à quelle heure ça commence. En tout cas, bah ça y est, c'est parti. Et je vous invite à rejoindre ce programme, vous installer confortablement, eh bien pour 2 heures où on va s'affronter, eh bien joyeusement sur Tetris Online, mais avec une version un petit peu particulière qui va nous permettre de rencontrer des joueurs particulièrement forts, croyez-moi. C'est vrai que même là, si on a avoir un décalage horaire assez important, on ne va pas forcément rencontrer des joueurs incroyablement. Peut-être vous êtes très fort et vous avez décidé, eh bien, ce soir de casser du Sephiroth. Et j'espère en tout cas que vous êtes en forme et que vous êtes prêts pour cette tournée des bars. On va s'affronter, eh bien, joyeusement comme ça jusqu'à minuit. Alors ce soir, exceptionnellement, hein, puisque c'était pas prévu, c'est là, donc on va commencer. Beaucoup de gens l'ont réclamé, c'est-à-dire personne. Donc on va lancer dans la tournée des bars la facecam. La facecam est importante, elle va permettre d'identifier le joueur, et c'est vrai que vous allez voir qu'un joueur de Tetris en pleine action est particulièrement intelligent, et on le remarque tout de suite, hein. Vous voyez l'intelligence du joueur, son profil, son faciès, et on sent quand même qu'on a affaire à du lourd, hein. Ça va être un concentré, je pense, mais en tout cas un bon concentré. Vous voyez la meilleure face de ma personne, hein, si je peux dire. Et je pense que avec une cam comme ça, on va bien pouvoir donner l'envergure de ce qui nous attend. Alors je vous invite à donc vous rendre sur le site Tetris Online point je sais pas quoi. Allez, vous tapez Tetris Online Poland pour récupérer, eh bien, le logiciel qui va nous permettre de nous connecter, et ensuite, eh bien, vous devez créer un compte si ce n'est pas déjà fait, et on va pouvoir se rejoindre. Alors on va essayer, on va voir si il y a une salle qui est libre. Sinon, on en trouvera une propre. Non, sinon, on en créera une à défaut de trouver quelque chose, puisqu'il faut réussir, eh bien,
à comme ça trouver sa place parce que beaucoup de rooms sont cadenassés en fait hein, dans Tetris Online. C'est vrai que c'est un programme qui est un peu caché et du coup les bons joueurs se cachent comme ça, c'est vrai, les uns derrière les autres et ne veulent pas forcément s'affronter. Bien, allez, trêve de conneries, on va quand même mettre la vraie facecam hein, voilà la vraie facecam parce que les gens l'ont demandé, donc j'espère que vous n'allez pas la regretter. Alors donc on est parti. Alors on va choisir une room tout de suite. On se rend dans multiplayer. En multiplayer, il se passe pas mal de choses. On va jouer en général. Vous voyez qu'il y a différents niveaux. Alors en fait, pour être à votre portée, je vais jouer en général parce que en 20G, on va tous souffrir. Déjà que vous allez voir, en général, on va prendre excessivement cher. Alors on va essayer. Pas la chanteuse, hein, malheureusement. Oh, là, il y a de la room là. Là, déjà, il y a de la room. Ah, mais il y a de la room avec du français. Il y a déjà Akai. Là, je pense qu'on va être bien. Pour un petit échauffement, ça va démarrer vraiment très difficilement. Je rappelle que la tournée des barres aussi est un programme qui est sponsorisé. Donc vous verrez à des moments clés mes différents sponsors qui sont mes partenaires qui m'aident bien sûr à vous proposer ce programme sur Gaming Live, un programme de qualité. J'espère qui déjà eh bien vous, je ne sais pas, vous stimule, vous égaye et va permettre comme ça d'illuminer votre soirée. Donc on va quand même regarder ce qui se passe. Alors Akai qui est en train de se livrer avec. Alors il y a PPD, hein, bonsoir PPD, il fait plus de télé, il joue à Tetris Online. PPD donc est là et essaye de lutter contre Akai. On a Lost Moon qui host justement et on a des gens qui sont en train d'arriver. Il y a Necro qui nous rejoint. Il y a Kyo, il y a Arino Sekai. Je sais pas s'il est dans le chat, il est dans le chat, mais en tout cas n'hésitez pas. Ceux qui veulent s'essayer, eh bien, de pouvoir comme ça jouer avec nous tranquillement. Ah, Aonaskull est là, ça y est, tous les gens sont réunis, on va pouvoir s'amuser. Alors, les gens qui sont très forts, Aonaskull, il est vraiment, vraiment très fort comme joueur. Akai aussi, il touche bien, en plus, c'est bien entraîné, c'est entraîné au mode 40 lignes toute la semaine. Je pense qu'on va prendre excessivement cher. Vous allez voir de la défaite, mais de la bonne défaite. Hein. C'est vrai que ça va vraiment, vraiment être, pense, intéressant de voir, même si, alors, après, on essaiera quand même de trouver des joueurs un petit peu élevés si on se retrouve trop dans du franco-français parce qu'au bout d'un moment c'est des fois un petit peu décevant, c'est le niveau français et nous on aime bien plus fort, plus vite, l'extrême limite. Ah, il va falloir se préparer, alors c'est le moment où là il faut pas lâcher la manette. Allez, c'est parti. Voilà, je suis froid moi. Ok, je pose tout à côté, on va rigoler hein. Je vais déjà me faire remplir en deux frames. Ça va être difficile. Hop, hop. Ça construit là. Il n'y a pas de dégâts qui partent. Il y a des mecs qui sont en train de monter des choses louches là. Je peux vous le dire. Ouais, ça joue. Oh, ça envoie là. Ça envoie du lourd. Non, ça va pas ça. Okay, ouais, ça va être la défaite là. Oh là, on sent la. Ah, très dur. Ah bah, sixième, très mauvais. Très mauvais. Excessivement mauvais ce début. Ouais, je suis froid. Hein. Bon, alors, du coup, on va faire un peu de practice là parce que c'est vraiment dur. Ah, ça, c'est les joies de Tetris Online. On ne me laisse pas respirer même en attaque directe. Hein. Les mecs, ils sont sans pitié. Ils essayent vraiment de me retourner. Ah, les mecs, déjà, ils jouent depuis 2-3 heures aussi. C'est inadmissible quoi. Qu'est-ce que c'est ces gens qui jouent tout le temps à Tetris Online, vous pouvez pas faire autre chose. Allez, 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 allez. Oh là là, mais j'ai vraiment du mal, hein. Putain, deux de temps, quoi. Ça va être beau. Ah, c'est pour ça, hein. Faut pas avoir de problème pour venir m'affronter. Vous voyez, je suis excessivement nul à ce jeu, comme vous pouvez vous en apercevoir, alors, surtout sans échauffement. Ok, non, ça c'est mauvais. C'est déplacer quelques. Ah, c'est pas ce que je voulais. Ok. Je me refasse un peu à la maniabilité de ce jeu. Alors c'est vrai que je rappelle en plus que les rotations alors sont celles des rotations classiques des jeux actuels de Tetris, hein, mais du coup c'est pas du tout les rotations auxquelles on est habitué pour un joueur de TGM, ce qui fait que ça fait quand même excessivement drôle. Oh, ce T-spin! Ah, le jeu qui se fout de ma gueule, hein. Je fais un T-spin, il se fout complètement de ma gueule.
Bon, par contre, ça dort. Par contre, s'ils font des parties, les mecs qui durent 20 minutes, on va pas s'en sortir. Hein. Ça va être, on va vite changer de room, hein, parce que on peut pas se permettre de faire des parties qui sont aussi longues. Ça veut dire que les niveaux sont assez similaires. Et ça manque un mec qui casse un peu la room. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils font? Ah, on s'emmerde là. Alors, Akai qui s'est fait remplir. Du coup, ça se passe quoi entre Lost Moon et Aona qui a du mal à s'en sortir, pourtant, ouais, et puis alors un match il est équilibré, là pour le moment, vous voyez, les niveaux sont similaires, il y a du jeu de chaque côté, donc ça va être un peu difficile, je pense, pour les deux de s'en sortir. Aïe, 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 on va voir un peu ce que va donner Ona, s'il va réussir à trouver du jeu, parce que Lost Moon a vraiment, vraiment pas mal de quoi renvoyer, et tu Tetris, il en attente de Tetris, en plus il peut casser à tout moment, envoyer un Ren, qui sont donc les combos, un truc qui est parti, un double, c'est parti, le Ren à 4, ça fait quand même un peu mal, là du coup, et moi j'ai vu que j'ai très bien commencé, hein, comme vous avez pu voir, ça commence un petit peu comme ça, ça c'est lamentable. J'ai fini complètement dernier, en plus je suis pas en first screen, donc ça c'est génial, quand tu lances le jeu et que du coup il passe pas en premier screen, tu perds 10 ans, ça c'est agréable. Allez, on va essayer de trouver des solutions, ah bah, ça commence bien, on est pas... Ok, je sais pas pourquoi la pièce m'a fait ça... Bon, pour moi, il n'y a pas de grosse attaque. Ça se regarde, hein. On est complètement en train de se regarder, là. Genre, attends, qu'est-ce qui se passe? Ça attaque pas. En fait, tout le monde doit se renvoyer des dégâts, là. Des petits dégâts, du coup. Personne tue personne. On a peut-être déjà quelqu'un qui est mort, j'ai pas fait gaffe. Pas le temps de checker, là. Voilà, il y a les grosses attaques qui sont parties, là. J'ai vu que ça s'agite du côté de mon écran. Ah, ça y est, ça démarre. Ça commence à envoyer. Ok, je sais pas quoi en faire de celle-là. Ça m'apprendra. Allez. C'est en train de lutter, c'est difficile, ah, on est concentré là, c'est une partie où on est quand même pas mal concentré, on va essayer de s'en sortir, non, ah, c'est quoi ça? Ah, la petite attaque, oh là là, gros mise drop, oh le gros mise drop foireux, ah, aïe aïe aïe, c'est mise drop foireux ça, hein. Ça c'était le mise drop complètement foireux qui était parti, et donc du coup... C'est difficile, hein. C'était un petit peu mieux. Quatrième, on sent l'échauffement qui commence à arriver. Ça commence avec une manette, ça serait mieux. Mais alors, on peut jouer avec une manette, là. On commence, vous voyez, gentiment. Il faut le petit temps d'échauffement. C'est pour ça que normalement, la tournée des barres, il faut quand même un petit peu le temps de s'y mettre. Hein. Là, et quand on commence à froid, c'est vraiment, vraiment difficile. Je me rappelle que j'utilise une seule technique, hein, c'est celle-ci. Bourrer le renne. J'aime beaucoup les animaux et j'essaye au mieux eh bien, de participer comme je peux. Ça marche avec une dual shock, je ne sais pas. Alors, c'est au niveau des vibrations, hein, quand même, que c'est difficile de gérer ça correctement. Ah, ça y est, la partie est presque finie, je me concentre, je fais passer le premier écran et j'attends, ça va pas tarder à mon avis. Voilà, Lost Moon et Aona qui a gagné. GG Aona, bien joué. Allez, ouais, j'ai fini quatrième, c'est un peu moins pourri que d'habitude. Allez, on va essayer de... J'ai du mal à trouver un peu de jeu en ce début. Lalalala. J'essaye de les... bien sûr, hein, pour ceux qui ont le stream, j'essaie de les déconcentrer comme je peux. Je chante de la merde. On commence gentiment pour le moment. Ah, les mecs, ils jouent sérieux, là. Ils sont venus pour gagner. Voilà, c'est quoi cette vieille attaque? Je la sens mal cette vieille attaque.
Je fais des mouvements qui n'existent pas, le jeu me dit. Et... Non, alors attends, essaie de trouver une solution. Ah, y a pas de potentiel d'attaque. Un petit renne de merde. Ça, je sais pas quoi en foutre, je la fous ici. On sait pas, on verra, c'est pour plus tard. Ah, y a quelqu'un qui est KO, Nécro qui a pris KO. C'est pas de ce que j'ai envoyé, hein. Je pense qu'il a dû pas pouvoir se rétablir. Parce que pour le moment j'ai encore rien envoyé de vraiment sérieux là. Oh là là là, ça elle est moche celle-là. Ah, non non non. Allez 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 allez. Trouver du jeu, ça va être chaud là, j'ai pas grand chose. Ah ouais, j'ai rien même, putain la vache. On avait pas trouvé. Ouh, c'est fini dans un mouchoir de poche là. On est parti, commence à accélérer à la fin. On a pris cher avec Akai à la fin. Juste à la fin, on s'est fait tous les deux remplir, je pense. Allez, on commence à être un peu plus chaud là. Le niveau commence à tranquillement se placer. Oh là là, c'est quoi ça? Ça, c'était pas beau du tout. Ouais, non, je sais pas. Peut-être. Attends, comme ça. Tac, 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 tac. Allez, 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 venez. Un petit peu de jeu, là, peut-être. Par contre, si ça attaque d'un coup, ça va être chaud, là. Ah, je construis rien là par contre. Là, je suis en train de paumer à mon avis bêtement. Ah là 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 là, ouais. Rien. Je cherche des solutions. C'est difficile de tenir. Putain, c'est serré là pour le moment. Personne qui décroche de grosses attaques. On va encore être assez nombreux, je pense. Ah non, c'était la bonne en fait. Ok. Ah. Oh là là. Ah, ça c'est pas au bon moment que je fais une grosse erreur. Allez, 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 allez. Ah non, là, pas du tout sorti là, alors qu'il y avait des solutions. Ça a vraiment stagné hein, pendant longtemps là. On était les trois en plus à Mona, à Kai. Ah, dommage. Dommage, dommage. J'ai essayé, mais je trouvais plus du tout de solution. J'arrivais pas à remonter un jeu en fait. Là, vraiment, j'arrivais pas à récupérer. J'aurais dû essayer de bourrer beaucoup plus vite. Mais on commence à être chaud. Par contre, si on finit encore souvent là, tous les trois en tête, ça sert à rien. On va changer de room hein, parce que du coup, il n'y a pas assez de niveau là pour le coup. Oh, mais là, on se fait un petit peu chier. Alors, ça va. Au début, c'est l'échauffement. Donc, on a le droit. On se dit, bon, allez, on va jouer gentiment. Et là, vous voyez, ça commence tranquillement. Alors, bon, au niveau là, vous voyez, au niveau du sponsor, bon, c'est simplement un petit anusol. Là, c'est juste un petit anusol. Anusol, je le rappelle, mon anus s'envole. Donc là, on est gentil. Hein. C'est une introduction en douceur. Tout se passe bien, ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours dans la tournée des bars, un programme bien sûr sur jeuxvideo.com qui vous apprend la vie de tous les jours. Allez, ça y est, bon, allez, on a qui gagne encore. Ça va venir tendu, là, il va falloir se le faire, hein, parce que peut-être pas laisser autant de victoires comme ça. Alors attends, par contre, si je trouve pas mes boutons, moi ça va être vite plié. Je vais me faire complètement transcender. Ah, j'ai rien pour qu'on soit là, ça va pas. Putain, j'arrive pas à monter de jeu assez vite en fait, c'est faible ça. Voilà, là c'est un peu mieux. Par contre, je sais pas ce que j'ai fait. Ok, bon. Je vais me faire remplir, moi.
Tu vas voir. Allez hop. Ouais, c'est intense, là, c'est intense, c'est le début de match. Encore pas trop de... Les dégâts sont encore assez répartis parce qu'on doit être assez nombreux. On l'a senti tout à l'heure, hein, quand on était 3. Du coup, ça c'est... Oh, c'est ok, c'était pas trop ce que je voulais faire. Petite inversion de pièce. Non, ça je ne sais pas. Ah, 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 ah. Oh, il me faut trop de barres, là. Je sais que j'ai pas la barre, j'ai trop de barres, je sais pas quoi en faire. Brun, brun. Oh là, je suis en train de bloquer mon jeu moi-même là, comme un con. C'est difficile. Ah, je fais juste de la défense là. C'est pas bon. J'ai pas d'attaque. Ouais, c'est vrai que. À part la. Ah putain, à part la défense, hein, ce qui pêche chez moi, c'est l'attaque. Hein. Ça, ça se voit tout de suite. Hein. C'est vrai que là, ça a été vraiment pas terrible. Et Lost Moon, là, qui essaie quand même de défendre, qui est venu un petit peu au milieu troubler le jeu. C'est vrai que c'est Lost Moon qui dirige toujours un petit peu la room. Alors, par contre, PPD, il se fait complètement avoir. Hein. Le journalisme, c'est plus du tout ce que c'était. Et c'est vrai que là, c'est difficile hein, de réussir à avoir Aona. Faut qu'on arrive à le faire tomber, là. Hein. Est-ce qu'Aona va réussir à gagner face à Lost Moon? On sait pas. Et Mood qui est en train d'essayer de faire son mieux. Il a un bon petit jeu, mais vous voyez, Aona a un Tetris. Sur la droite qui peut partir à tout moment et qui va voilà, réussir à débloquer pas mal. Attention, le triple, le T-spin, pardon, qui est monté du côté de Lost Moon, qui est attendu. Ça y est, il est parti en double. En plus, il règne avec ça. Donc du coup là ça va faire un petit temps mort dans le jeu. Est-ce que Onaskull a eu le temps de monter quelque chose? Ouais c'est pas mal, elle a réussi à lutter. Par contre c'est beaucoup remplir là sur cette attaque. Et Ona qui est quand même en grande difficulté, elle essaie un petit peu remplir. Ouais Tetris qui est parti, ça va bourrer. Ça va bourrer, à prendre pas mal de dégâts, elle est en train d'enchaîner. Ouais Lost Moon, voilà, cette attaque de Lost Moon à la fin magnifique. Ah c'est dur, hein, c'est dur. Il y a quand même encore un petit peu de niveau, on va rester pour voir ce qui se passe. Même si ça commence en demi-teinte. Alors... Surtout pour moi. Oh, ça c'est normal. De toute façon, vous attendez pas à ce que le mec qui hoste ça, il soit fort. Ça se saurait, résiste comme il peut. Ça attaque direct, là. Non, non, tu rigoles. Tu rigoles. Je ne vais pas mourir tout de suite. Ah, quoique, si je continue à faire de la merde pareil, c'est possible. Je prépare du jeu, mais je sais pas ce que j'attends, là. Ok, ça c'est mieux. Ah, peut-être envoyer, là. Ah, hop, hop. Oh là, voilà, voilà. Ça attaque, ça attaque. Non, moi j'utilise pas du tout mon réservoir, hein. Je sais pas ce que je fous là ce soir. Je suis en grève, grève du réservoir, c'est comme ça. Ça sert à rien. Je me suis lancé un challenge, je peux utiliser le réservoir contre les mecs, c'est tellement plus garanti. Ah, petite erreur technique. Attends, le temps que mon cerveau de merde réussisse à interpréter l'erreur que j'ai faite, je ne sais pas. Ah. Ça, ça va passer ici. Tac, tac, tac. Pourquoi je crame ma barre là? Pourquoi je crame ma barre? Mais je suis complètement gland. Ça résiste, ça résiste, ça va suffire. Ah, ça va pas suffire si j'arrive pas à ouvrir. J'arrive pas à ouvrir, j'arrive pas à ouvrir. C'est pas bon ça. Ça y est, j'ai ouvert.
J'essaie de résister, c'est dur. Ah, c'est difficile, je trouve pas de solution. La barre, je sais pas où me la foutre, celle-là non plus. Ah, on voit la barre, c'est pas le moment de lâcher la barre. Et ça, ça kill. L'osmoon a pris. L'osmoon s'est perdu. Oui, hurry up, je sais, ta gueule. Ta gueule, hurry up. Le miss drop. Je l'ai quand même eu. Oh, c'est fini. J'ai eu Ona. Je l'ai fait. Ah, que ça a été difficile. Oh là là, que ça a été difficile. Là, je crois que ça mérite quelque chose là, parce que là, j'ai eu Ona, j'y suis arrivé. Une petite danse de la victoire. Ah là là. Ah, c'est magnifique. Ah, il l'a fait. Ah, par contre, la vidéo qui merde. Je sais pas pourquoi. Ne merde pas, vidéo. Elle veut plus. La vidéo ne veut plus, on ne sait pas pourquoi. Le jeu a planté. Ah, tout a merdé. C'est pas grave, on s'en fout, on l'entend. Dégage. La danse de la victoire qui a foiré. C'est pas grave, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas, on l'a eu. On a enfin eu Onaskull. On a réussi à faire voir. Là, tout le monde est en train de m'attendre. Attends, j'envoie un petit signe, voilà, pour me foutre de votre gueule. Et on est reparti. Voilà, comme ça, c'est bien fait pour vous. Ah, la danse de la victoire qui a merdé. Ah, les mecs, ils sont énervés là. Ils envoient tout ce qu'ils ont. Oh, d'accord, ok, j'ai inversé deux pièces. C'est pas bon du tout, ça, pour moi. Oula, ça sent la mort très prématurée. Ouais, je reviens de loin, moi. Peut-être mourir deux secondes après, mais là, je reviens de loin, déjà. Ah là là là, qu'est-ce que je vais faire, là? Qu'est-ce que je vais faire? On va y arriver, on va y arriver. Ouais, ça sent l'attaque violente, là, quand même. Hein. Ça sent les mecs pas contents. Mecs qui se vengent. Ouais, je vais pas m'en sortir là, j'arrive pas à double puits à Tetris, ça va être compliqué, je pense. Ouais, ça va être très très compliqué, hein. Attention, ça attaque. Ça joue fort ou pas assez. Ouais, ça s'est mal joué. Ça joue là, ça joue, c'est concentré hein. Ah, il y a eu un KO. Ok,
Quelqu'un qui a pris. Oh, ça renvoie encore. Hein. Ouais, j'ai pas m'en sortir là. Ouais, pas de jeu. Ah, dommage. Dommage, la barre qui arrivait un cran trop tard. J'ai pas réussi à sortir quelque chose, malheureusement. Mais si j'ai bien lutté là. Ouais, on a qui a pas été loin, 5ème, Nécro qui s'est fait avaler 6ème. Ah, ça a été difficile, partie tendue là, mais on commence un petit peu à rentrer dans les phases de jeu assez intéressantes. Mais allez, on va voir, on va regarder un petit peu. Félicitations à Kai qui a gagné cette partie. Même si c'est vrai que le Smoon reste le maître à bord pour le moment. Back to back to Beatrice. Oh là, ça mise drop de mon côté. Allez, c'est rattrapé. Petit temps de sursis. Il va falloir que je perde trop de temps. Allez, faut que je me montre quelque chose. Là, j'ai rien. J'ai pas d'attaque. Vite, quelque chose, quelque chose. Quelque chose de mieux. Quelque chose, s'il vous plaît. Histoire de pouvoir carrer, envoyer quelques reines. Ah, voilà, ça c'est de l'attaque comme je les aime. Ça a tué personne. C'est pas grave. C'est pour la beauté du renne. Oh là, voilà, s'il te plaît. M'envoie pas de dégâts comme ça. Respecte-moi. Respecte jeuxvideo.com. Ah, ah. Allez, encore PPD qui a pris cher. De chercher des solutions par là. Attends, là par contre je monte pas de jeu, je suis en train d'essayer de récupérer quelque chose. On va se garder ça en... au cas où. Ah, ça suffira pas. Ouais, je peux pas monter là. Sirène de merde. Attends, je vais garder cette barre. Voilà, j'ai essayé de repartir sur un jeu. Ah bon, mais sauf qu'on me laisse pas le temps. On prend ça du coup. Allez, allez, trouvons des solutions, trouvons des solutions. Ah. Oh la grosse attaque là. Putain, j'ai été surprise. Oh la vache. Allez, 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 allez. Je sais, je sais, je sais. Ne me stresse pas. Ah là 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 là, je joue à la con. Ah, j'ai pas de solution, malheureusement. Ah, 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 ah. Ça va mourir. Ça va mourir. Ça... Ah, j'ai pas trouvé. J'ai pas réussi. Au moment où ça a commencé à attaquer, j'avais plus rien, malheureusement. J'ai mal géré mon timing d'attaque. Aïe, 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 aïe. C'était difficile. C'était difficile, quoi. C'est des CPU, les mecs. Mais non, c'est pas des CPU, c'est les mecs qui savent jouer, c'est tout. Le problème, c'est que si t'as pas de poke, la cible tombe sur toi au moment où tout le monde est en train d'attaquer, du coup, tu te fais remplir. Et là, c'est vrai que tu dois le sentir, même si... On a un niveau à peu près équivalent là, je pense que Akai et Aona sont légèrement, enfin même beaucoup plus forts que moi, un peu plus forts que moi, mais ce qui fait que ça équilibre pas mal les choses et l'Osmoul est aussi un peu au milieu, donc après avec un peu de réussite, et tout dépend au moment où tu prends les dégâts, c'est vrai que ça passe, mais il faut les travailler au corps les petits, hein. Mais là c'est vrai que moi je l'ai senti, en fait je m'attendais pas du tout à prendre l'attaque à ce moment, et là, je me suis fait complètement avoir. Oh là, par contre là je suis parti dans des jeux, c'est louche, hein. Oh là, c'est complètement louche. C'est de la merde même, hein. Oh là, je vais me faire avaler moi, tu vas voir, je vais disparaître comme un grand. Ouf. Ah ouais, là putain, ça fait tant d'axes. J'ai tellement mal joué moi. Ah ouais, c'est fini pour moi, hein. J'ai
tellement fait n'importe quoi. Allez, je trouve pas de solution. Non, non, non. Allez, ah, ah, ah. Eh, une barre, quelque chose, un début de quelque chose, je ne sais pas. Ah, ah, ça c'est un début de rien. Ah, ah, toujours pas la barre, je peux rien faire. Ah, pas la barre, rien, juste après. Ah, c'était dur, la barre qui n'arrivait pas, j'ai trouvé des solutions, mais dès le début j'étais mal parti. Hein. Eh oui, là ça pardonne pas, hein, quand on commence comme ça très mal. Ah, j'avoue, là c'était un petit début de choses qui se sont pas très bien passées. Hein. Attends, je vais sortir un autre environnement. Pour essayer de réussir à faire quelque chose, voilà mon porte-bonheur, mon zizitrice, ce qui va pouvoir m'aider, j'espère, dans la construction. Bon, là, on s'en fout, hein, ça joue pas, je crois que là, regardez ce qui va se passer, ça va être le moment de la pub. Directement le moment de la pub, là, il faut quitter, on s'en fout, qui sait, on sait pas, c'est des joueurs, on les connaît pas. Ça nous intéresse pas, petite page de pub, et on revient tout de suite dans cette tournée des bars. N'hésitez pas à participer, vous aussi. Ah, de retour dans cette tournée des bars. Alors on a changé de room, hein. On va changer de room, bien sûr, on nous demande. Alors n'hésitez pas, le lien est en haut en fait, hein, de la fenêtre. Faites bien attention, le lien est affiché. Hein. Tetris Online, pour ceux qui demandent, peut-être. Donc tapez Tetris Online Poland sur Google, vous allez tomber sur ce lien. N'hésitez pas à le donner dans la chatroom s'il y en a qui demandent. Alors je crois qu'il y a des joueurs qui attendaient peut-être un petit peu pour jouer. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on essaie de trouver une room quasiment vide. Hein. C'est vrai qu'il faut être à la frame. Hein. Mais après, il y en a beaucoup qui sont MK Pictures. Tiens, c'est celui que je connais, je suppose. On peut aller Block with all, no map. Alors, je vérifie quand même que tout est bien. On peut aller faire un tour ici. Allez, on va faire un petit tour ici. Il y a un bot. Je sais pas ce que c'est. Voilà, bot Sephiroth, ça a l'air d'être de la merde, ça. On va voir si ça lance quelque chose. Si ça lance rien, on se cassera. Allez. On va voir un peu ce que ça donne. N'hésitez pas à venir. Jean-Michel qui nous a rejoint. Alors je sais pas si. Des fois ça remplit avec des bots, on n'arrive pas à démarrer. Alors on va voir est-ce que ça démarre quelque chose ou est-ce que ça plante. On va voir. Ça lance ou ça lance pas. Sinon on changera de room vite fait. Allez, là ça plante, ça lance rien. Je sais pas ce que c'est des fois ces rooms fantômes là. Ah, ça c'est de l'arnaque ça. Ah non, c'est pas de l'arnaque, on sait pas. Merde, du coup j'étais pas prêt. Je vais me faire avaler. Je ne sais pas, alors on a rejoint une room au pif, hein, pour essayer de varier un petit peu ceux qui voudraient nous rejoindre. Allez, go!
Allez, c'est bien parti peut-être. Bon là par contre j'ai plus de jeu d'un seul coup, il va falloir que je me sorte les doigts parce que je vais me bloquer moi-même la gueule. Ce qui est jamais une bonne idée. Se bloquer soi-même la gueule, c'est carrément pas garanti, hein. C'est le meilleur moyen de perdre. Hein. Allez, hop. Ah, elle était pas mal, cette petite attaque là trouvée sur deux espaces, tout petit, sans monter beaucoup de jeu, c'est toujours ça de pris. Ça résiste bien, je vois pas de KO, j'ai pas fait gaffe, j'en ai pas vu passer. Ah, voilà, ça c'est le début du mise en... Alors attends, non, ça marche comment? Comme ça? Non, comme ça? On sait jamais. Bon, alors, la foutre comme ça. J'ai jamais comment ça marche, leur système à la gland. Qu'est-ce que c'est que ça? Rendez-moi TGM en termes de système de rotation. Hein. C'est n'importe quoi, votre système de rotation. On peut pas insérer de pièces. Comment tu veux que je joue? Ah, c'est quoi ce mise drop? Ah, il faut que je construise quelque chose dessous. Alors attends, ça comme ça. Tac. Hop, hop, je sais pas, ça ici, ça ici, ça peut être là, ça là, tiens, pain, papin. Oh, c'est les attaques de merde, ça faut que je monte quelque chose. Allez, c'est bon, j'ai récupéré quelque chose, là, je peux monter. Je peux monter, je suis un athlète, je suis Rocco Siegfriedi, je peux monter. Ah, je peux aussi faire de la merde. Attention, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, de la grosse caca, ça, je la fous ici. Ça, est-ce que ça fait quelque chose? Ça fait rien, donc là, on tente en même temps, on découvre en même temps les rotations, hein. Pour ceux qui se demandent comment ça marche, je les découvre en même temps que vous, hein. Pas du tout un joueur Tetris Versus, comme vous pouvez vous en apercevoir, c'est ce qui fait le charme de cette émission, affronter un caster nul sur un jeu très difficile. Attends, hop, 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 à la portée de tous, hein, complètement à la portée de tous. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trois personnes là, il n'y a pas de dégâts là. Ah, il y a eu un KO, je sais pas qui c'est, qu'il y a un bot qui a pris je sais pas quoi, je sais pas dans quelle dimension on est, c'est n'importe quoi. Il n'y a personne en fait. Ah, peut-être qu'il y a des gens qui vont nous rejoindre sur la partie d'après, si c'est trop de la merde, je me casserai. J'irai retrouver mes meilleurs amis, comme dirait Laurie. Comme ça. Est-ce qu'il y a un début de quelque chose? Tac. Tac, tac, tac. Voilà! Ah! On a eu Jean-Michel. On a eu Jean-Michel, on a même Capuchard. Mais c'est quoi ces bots à la gland là? Ils vont disparaître ou on va se les taper tout le temps? Qu'est-ce que c'est que ces bots remplis par du vide? Virez-moi ces bots là! Qu'est-ce que c'est que ça? Y a pas moyen de virer ces bots parce que ça fait chier, du coup ça laisse pas de place libre. Ouais, je me casse parce que là, y a pas de place libre pour les gens, ça ne va pas. Faut quand même voir. Alors où c'est que vous êtes? Où c'est que vous êtes passé vous pendant ce temps? Là il y a du monde. Ah bah voilà, on va aller jouer là. Ah bah il y a Necro du coup, il y a Ben Grolar, il y a d'autres joueurs. Allez, je vais rejoindre ça, on va retrouver Necro. Et puis il y a Ben Grolar aussi qui est un habituel. On joue toujours avec les mêmes, bien sûr. Hein. Vendu! Jeuxvideo.com, tu joues qu'avec ceux qui te donnent de l'argent. C'est vrai, bien sûr. Hein, bien sûr. Plus vous donnez, plus je viendrai perdre contre vous dans votre room. Alors que là, il y a quand même un match au duel entre Ben Grolar et Ryo et Gamindra et Necro qui est en embuscade. Hein, Necro, il joue complètement. Alors, même quand il est à Tetris, il tente de jouer la moto. Hein. Je ne sais pas si ça va lui réussir. En tout cas, il a tenté une construction, il attend un triple. Hein. Il attend. Non, même pas un triple, d'ailleurs, parce qu'il y a une petite erreur là au milieu. Donc, on pire un double, il est en train de monter quelque chose. Monte un pieu Tetris, garçon. Monte un pieu Tetris. Mets une pièce à l'envers, mais monte un pieu Tetris parce que là ça va être faible ce que tu vas envoyer. Je sais pas ce que tu es en train de faire. Alors, si tu es en train de monter quelque chose pour faire du renne, mais par contre, va falloir lancer un moment parce que sinon c'est en train de partir. Ouais, fais gaffe parce que tu as la barre sous le spawn. Voilà, on voit, on voit, on voit, on voit. Allez, attention, il y a Ryo qui est là. Ah, putain, il y a Ben Grolar qui loue son pieu à Tetris. Vous allez tous tellement manger, vous allez tous tellement manger. Mais attention, le trip qui commence à partir, c'est gentil là. Gamadra qui est bon, pas trop en danger, mais par contre, voilà, Ryo qui a déjà parti. Ouais, il a rien attaqué. Hein. Ryo il avait du jeu, il a rien lancé. Par contre, si Ben Grolar il envoie. Vous allez prendre tellement cher, elle est remplie, elle n'arrive pas à trouver, elle n'arrive pas à ouvrir son puits à Tetris. Si vous l'ouvrez à Tetris, vous êtes tous morts. Hein. Louis petit, faut que tu casses, hein. Faut que tu casses, Ben, dans le puits à Tetris. Voilà, vas-y, casse, continue, enchaîne. Oh là là, le back-to-back Tetris parfait, il attendait d'avoir les deux barres, une grosse attaque là, quand même qui est partie. Ça va remplir et bim, Necro la mort. Et ça, c'est sûr, hein, les double back-to-back, ça fait excessivement mal. Ah, derrière, il y a un triple aussi qui est un T-spin qui est prêt, pardon, du côté de Ben Grolar. Et belle victoire de Ben Grolar. Ah, c'était du beau jeu, ça. Hein. Et là, on sentait venir. Hein. Ben Grolar, il avait monté un puits à Tetris, il attendait plus que ses deux barres. Hein. Ça, c'est garanti que vous allez prendre ultra cher si vous envoyez rien à ce moment-là. Si vous comptez pas un tout petit peu, vous allez prendre max dégâts. Hein. Ça, il faut vraiment faire gaffe là-dessus. Surtout en plus quand il reste plus que deux joueurs. Ça va être tellement gratuit.
Il y a eu Trip qui est parti là. Ren Trip qui est parti. Excusez-moi, je l'ai échappé en début de match. Je voulais pas le sortir si vite, hein, mais j'étais lancé, alors que voulez-vous? Dans ma grande bonté, je me suis dit, il faut que j'aille jusqu'au bout. Ouais, ça envoie pas de dégâts, ça me laisse construire, hein, ça me laisse complètement construire. Les mecs, envoyez, hein, parce que sinon, ça va décocher, hein. Ça va décocher! J'ai prévenu! Ryo, il a pris! J'ai complètement prévenu, hein! Ah, dommage, hein, c'est vrai que même sur Dailymotion, vous avez un décalage de 20 secondes, donc quand vous m'entendez dire ça, vous étiez mort, sans doute. Hein. C'est injuste, hein, c'est injuste. Parfaitement injuste. Ah, le jeu qui m'interdit. Dis non, cette pièce, elle est interdite, elle n'est pas autorisée en tournoi. Ah, ok. C'est comme les Pokémon, hein. J'ai des pièces, elles sont pas autorisées. Je triche. Bien sûr, je triche complètement. Ah, les mecs, ils me laissent construire, là. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a personne qui m'envoie rien, là? Vous êtes en train de monter des grosses attaques, c'est ça? Ah! Ah! Ça mord! Ah, ça y est, ça vient là. Je vais me faire remplir du coup. Les mecs, ça y est, commencent à jouer. Oh là là, ouais, bah surtout si je fais du miss drop comme ça, c'est bien joué. Ah, si, on peut la mettre, tiens, putain, on peut la mettre là. Ah! Bien joué, Gunava. Oh putain, j'ai fait juste de la merde au mauvais moment. Bon, allez, on reste encore un petit coup là-dedans. Y a quoi faire. Mais au début, hein, ça a été particulièrement mou. J'ai absolument pas compris pourquoi j'ai pris aucune attaque. Vers la fin, c'est parce qu'en fait, on était plus que deux. Allez, allez, allez. Ah, ce mec, il a peur de rien. Il sacrifie même sa barre. Hein. À la foutre. Ah, ça envoie. Ça a essayé d'envoyer. Dommage, c'était déjà parti de mon côté. Oh là, attention, Ryo qui a encore pris un petit KO. Là, par contre, là, il va falloir que je fasse gaffe parce que j'ai une vilaine erreur. Ça a ouvert le puits à Tetris. Ça attend. Mais du coup, je pouvais pas enchaîner derrière. Ça se regarde, là, ça se regarde. Putain, j'ai plus de jeu, moi, par contre. Ça, c'est mauvais. J'ai un jeu qui est parti en cacahuète. Il va falloir que je me mène, là, parce que sinon... Il y a quelqu'un qui a pris un KO au passage. Je sais pas qui c'est. Ça s'est pas très bien joué. Ah, ça lutte, ça lutte. Ouais, 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 par contre, là, j'ai de moins en moins de solutions. Moi, mon jeu qui est devenu complètement à chier, je sais pas ce que j'ai foutu. Ah, je vais me faire remplir. Ah, j'ai joué la montre, ça n'a pas marché. J'ai essayé de bufferer dans la douleur, ça n'a pas marché. Bien joué. Putain, il faut que je me le fasse, ce joueur là. Qu'est-ce que c'est que ce joueur à la fin qui résiste là? Alors attendez, ça ne va pas, ça ne va pas. Ah, faut que je me sorte les doigts là. Allez, on va se liguer là, faut qu'on se le fasse. Je sais pas si c'est quelqu'un du chat, mais il faut complètement taper ce joueur. Hein. Oh. Doucement l'artiste. Ah, ça on a dans le ventre. Ça riposte, ça riposte. Oula, oui, ça riposte même très très bien.
Ouh, il y a quelqu'un qui envoie ses vers là. Ah, par contre. Ah, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. Ouais, c'est très mauvais pour moi. Je me sors pas de la situation là. Ouf! Oh là, il y a quelqu'un qui a pris un KO. Désolé, Nécro. Ah là, du coup, ça s'est ouvert d'un seul coup. Ça a dû être un petit peu violent. Excuse-moi, je n'ai pas fait exprès entre collègues de la TV. De la chaîne Powerplay, pardon. J'allais dire TV2. Faut plus dire TV2. Hein. C'est vrai que sinon, on n'est pas payé hein, si on dit TV2. Ah, c'était sale. Hein. C'était sale. Ça s'attaque entre mecs de la TV2. Hein. Rien à foutre. Ça résiste, ça résiste. Ah, le miss drop. Allez, encore un KO. Ben Grolard qui nous lâche. Alors, Ben Grolard, ne nous lâche pas. Il faut qu'on le finisse, merde. Vous me laissez tout seul. Enfin, je ne sais pas, je regarde même pas. Oh, j'arrive à te l'ouvrir, Spi, ou quoi? Ah, c'est pas la pièce que je veux. Donnez-moi les bonnes pièces. Donnez-moi des pièces. Nécro, fais quelque chose pour moi. Dans Mario Kart, tu as des pièces. Donne-moi des pièces. Oh la vache, je suis en train de mourir dans mon vomi encore. Putain, je sais pas ce que je fous. C'est à chier. Ah, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de celle-là? C'est pas dans mon sens. C'est quoi ce spin de merde? C'est le T-spin du troll. Je suis en train de complètement troller le mec. Hein. Je sais pas qui c'est qui est en train de jouer contre moi. Et le mec, je lui fais des T-spins genre... regarde comme t'es nul, quoi. J'ai le temps de faire un T-spin à deux balles, quoi. Ah, y'a plus aucun respect. Hein. Je me fous complètement de la gueule du mec. Hein. Ah, la barre. La barre. La barre. Ta gueule, j'ai la barre. Non. J'ai dit non. J'ai dit non. Ah. Je résiste. Ah, je prouve que j'existe. Ah, je sais pas la foutre. Ah. Ah, mais c'est pas possible, Gunava. Merde. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Toi, Gunava, là. Ouais, on le bourre. Allez, tous sur Gunava, là. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Déjà, ton pseudo, on l'aime pas. Alors, envoyez-lui. Le meilleur moyen, c'est de lui envoyer des messages hein, pendant qu'il est en train de jouer. Envoyez-lui des requests d'amis. Tout est autorisé. Hein. Bien sûr, n'hésitez à aucune puterie, si je peux dire, pour essayer de se faire ce joueur. Je ne sais pas s'il est de la room ou pas. On en a la foutre. Bah, il va se le faire, non? Avec un pseudo pareil, c'est pas possible. Ouais, sauf que... Ouais, voilà, quoi. Oh là là, ce geste! Ce geste technique! Et bim! Tu la sens, ma grosse barre? Bien sûr, vous êtes dans un programme complètement poli, hein. Éloigner les enfants de l'écran, hein. C'est sale quand même. C'est très sale. Alors il faudra que je fasse appel à mon partenaire là, vous savez. L'obligation, hein, bien sûr, de travailler avec des partenaires de classe et très prestigieux, bien sûr, qui me soutiennent dans l'effort. Hein. Je pense qu'on peut complètement dire ça. Ça dort là, il n'y a plus de jeu. Ça va, ça va, ça va. C'est bon, on a compris là. Ah merde. Merde. Ça va pas ça. J'ai joué comme un con là.
Oh là là, quel glandu! Putain, alors là c'est moi en plus, désolé, excusez-moi, alors attendez, là ça va pas, ça va. Un petit coup de partenaire. Un petit coup de... Ah merde, j'ai pas le temps, putain, mais la vache, laissez-moi faire le placement produit! Bande d'enculé! Pas le temps de jouer, hein, c'est pas possible ça. Comment je fais après, moi? Si je peux pas passer les marques, comment je fais? Dites-le-moi! Bon, on va se faire guenièvre là, parce qu'il commence à nous emmerder. Guenièvre à la blanche fesse. Pas possible, on va bien réussir à... Oh, ça joue mal là. Qu'est-ce que c'est que ces dégâts de merde que j'envoie? Non mais franchement. Putain. Ah, désolé. Au moment où je dis ça, je mets KO Nécro. Excuse-moi. Excuse-moi pour dégâts de merde. Je ne le pensais pas vraiment. Hein. C'est dans le feu de l'action, bien sûr. Hein. Comment te dire? Ah putain, mais je vais me faire remplir 20 fois là. Qu'est-ce que... Oh là là, le miss drop! Le miss drop! Attends, j'ai peut-être pas bouché le puits à Tetris. C'est peut-être pas la meilleure option tout de suite. Ah. Ouais. Allez, j'essaie de le travailler au corps. Par contre, il faudrait que je remonte quelque chose là, parce que je vais me faire travailler au corps, moi. Je sens qu'il s'en rapproche de ma cuisse, hein. Oh là là, oui, oh là là, oh là là. Ah, t'encul... Putain, je fais de la merde. Ah, ça va pas aller, ça. Allez, allez, faut que je... Ah, c'est là, c'est ça que je cherchais. Elle est où? Elle est où? Ah, mais c'est pas vrai, mais je joue mal. Ah, je suis en train de lutter dans mon vomi. La lutte, la lutte, la lutte dans son vomi. Peut-être ça. Peut-être comme ça pour se donner 2 minutes de Je tente tout, je tente tout. Je ne sais pas si ça va. Ah, ça va pas passer. Ça va pas passer. Bah vite, le sponsor, j'ai pas le temps, vite le sponsor, voilà. Le sponsor, il est là, il est complètement là, Microlax, et mes sphincters se dilaxent, bien sûr. Alors attends, ah putain, j'ai construit, mais n'importe comment, quoi. C'est une maison Bouygues, c'est à la colline. Attends, oh putain, la vache. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueulasse, c'est très sale. Oh là là, on dirait du niveau de la TV1, là. S'il vous plaît, remboursez. C'est plus du tout la TV2, là. Ah ouais, on se croirait sur Game One. Ah, c'est dégueulasse. Ah, je suis concentré là. Je suis concentré pour faire de la merde, ouais. Oh, je vais me faire remplir en 2 frames. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Oh, je suis complètement mauvais là-dessus, hein. Oh, ouais, attendez, c'est quoi sponsor là? Putain, les sponsors, ils sont plus gros que moi, quoi. Y a plus de... On voit même plus le caster maintenant, c'est plus du sponsor ça. Oh, je suis dépité quoi. Hein. Je pense que là, là, je ne vois pas ce qui pourrait arriver de pire. Hein. C'était vraiment... Ah, ça merde, ça... Ah, désolé, la partie censurée. Ah, la partie censurée, c'était trop sale. On a estimé que c'était Julien Théoux qui était en train de jouer. Donc là, du coup, on a tout coupé, on ne voit plus rien. Voyez, vous avez le droit à des images absolument pas tendancieuses. Canal+, la censure. On va voir, je vais essayer de faire mon possible pour que ça revienne. Attendez, je tripote, je tripote, je tripote. Ah, ça ne revient pas, ça ne revient pas. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Attendez, ah, ça y est, on commence à me retrouver. J'ai retrouvé l'antenne. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Où suis-je? Où suis-je? Donnez-moi les manettes. J'ai de la buée sur mes lunettes, je ne vois plus rien. Où êtes-vous? Je suis ton père. Attends, ça...
Oh, attends, je vais tenter un truc. Voilà, je vais faire de la merde. De toute façon, je suis parti pour faire un jeu de merde. Là, qu'est-ce que c'est que ça, là? Tiens. Tiens. Oui, ça va. Je sais, je sais, je sais. T'es pas content. Je t'ai pas donné ton kit écrate. Tu n'es pas content. Je m'en fous. Sache que je m'en... J'ai dit que je m'en foutais. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? On voit la barre, on voit la barre, on voit la barre. Ouais. On va la jouer prudente, on va la jouer prudente. Bim! Allez, c'est un endroit, tu dégages! Ah, je m'en sors pas, là, je m'en sors pas. Ah, je suis dans la douleur. Ah! Ah! Ah, qu'est-ce que je fais? Mes doigts ne répondent plus! C'est pas possible, doigt de merde! S'il te plaît, doigt de merde, réponds! Témé! Ah, je suis en phase là! Ah, Rio, dégage! Allez, 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 allez! À la foutre! Tiens! Bim, Ben Grenard! À voter! Ah, je viens de te faire une valse 2, là, comme on dit au gouvernement ces temps-ci. Montebourg, tu dégages. Philippe Petit, tu dégages. Tiens. Ah ouais, non, mais les mecs, ils m'ont énervé. De toute façon, là, j'ai mon sponsor. Hein, je peux plus perdre, là. Avec mon sponsor Microlax. Je suis complètement ouvert à toute opportunité. Je vais me faire complètement élargir le cercle. Par contre, si je continue à jouer comme ça... Faut trouver des solutions, faut trouver des solutions. Ah, vite, des solutions, des pièces, vite, vite. Plus vite. Encore plus vite. Toujours plus vite. Ah, je sais pas quoi faire. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est pas beau. Ça, c'est caca. Ça, je connais pas, ça n'existe pas. Je sais, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tais-toi. Ah! 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 Oh! Ah, c'est le moment de la pub. Hein. Je crois que là, c'est le moment définitivement de la pub. Il faut que je me reconcentre. Il faut que je dilate ta gueule. Il faut que je dilate mes chakras. Je suis désolé. Je suis désolé. Public de la chaîne Powerplay, faites un Genki Dama pour élargir mon chakra. Hein, c'est important, c'est important. Vous voyez que là, mon transit ne parle plus pour moi. Allez, je compte sur vous. Petite page de pub. On s'envoie quelques pubs pour divers lavements anneaux et autres. Et on revient tout de suite dans cette tournée des bars exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. We'll be right back.
Ah, vous êtes toujours, et nous sommes toujours bien dans cette tournée des bars. Alors, on me dit que Microlax a été retiré des marchés, retiré des anus. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être changer, je ne sais pas. Voilà, on va faire une minute sans sponsor, parce que si je mets trop de sponsors, du coup, on est noyé dans la masse. Donc, vous avez vu, hein, ça a été un début de partie difficile. Alors je rappelle, hein, que la tournée des bars à putes est une émission quand même sérieuse où vous voyez du niveau. Alors on me propose bien sûr un versus contre Ebomei. Vous pensez bien que je l'ai bourré sans zéro. C'est incontestable, hein, parce que ma principale faculté est ma technique. Hein, une technique que j'ai développée quand même auprès des Tibétains avec les moines, hein, en me faisant déjà à l'époque des Ice Bucket Challenge où ils m'envoyaient comme ça des cascades d'eau froide, hein, on se rappelle de Shiryu, tout ça. Et c'est vrai que moi j'ai une technique quand même qui est assez particulière, qui est basée beaucoup à base de ce qu'on appelle les rennes. Hein, les rennes, vous connaissez tous, hein, ça marche plutôt bien, ça rapporte, ça fait gagner de l'argent, et c'est quelque chose, vous comprenez, que j'utilise énormément dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, vous savez que les rennes, eh bien, un deuxième, une suite arrive. Et c'est bien pour ça que je base toute ma technique de jeu sur cette faculté incroyable, hein, à deviner, à faire glisser l'adversaire comme ça sur des plaques de verre gras, lorsque je joue. Et je suis sûr et certain que vous appréciez. Bien, allez, on va se trouver une gentille petite room à remplir, et rien n'est sale dans les propos sûr que je viens d'évoquer. Alors, une room qui s'appelle Sofitel, ça m'a l'air très bien. Ah bah là, c'est déjà plein comme une prostituée du bois. Alors, donc, on va aller là. C'est encore les mêmes. Il y a Shuji, il y a Contrition, je suis pas sûr que. Bon, allez, on va faire un petit tour là, mais. Bon, allez. Allez, un petit tour ici, rapide, juste histoire de se faire un petit peu remplir le pourtour, bien sûr. Alors, n'hésitez pas, hein. Bon, je vais peut-être enlever mon porte-bonheur là un petit peu. Voilà, ma technique qui est garantie ici. Voilà, je commence, hein, déjà, bien sûr, à aller travailler au corps. C'est important, hein. C'est important d'essayer de les déstabiliser. Ils commencent à savoir que là, tout jeuxvideo.com est en train de les regarder. Et du coup, là, je peux vous dire qu'ils ont les fesses qui commencent à faire bravo. Alors moi je regarde pendant ce temps, je suis en train d'étudier les jeux. Bon, ouais, là ça joue moyen, hein, je veux dire à mon niveau. c'est violent. Ben, je suis en train d'arriver justement. Ah voilà, j'y suis. Ah, il paraît que c'est violent. Alors, attends, on va quand même aller voir qui est Monsieur Constitution. Ah oui. Alors ça c'est, vous voyez, ça c'est un graphe qui représente un vagin parfaitement ouvert. Hein. Ça veut dire que là, pour ne pas toucher les bords quand vous faites un Tetris, ça va être excessivement difficile. Hein. Essayez de vous asseoir sur un flambi sans toucher les bords, c'est quand même en soi une performance. Quand même, enlevez la languette avant. Hein. Je donne comme ça aussi des conseils, mais ça, dans la vie tous les jours. N'hésitez pas à me contacter sur mon Twitter, @sephiros, pour avoir les meilleurs conseils sur le démoulage de flambi. C'est important. On n'en parle pas assez, hein, quand même. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors, on attend, on va quand même commenter un petit peu ce qui se passe. Alors, Shuji, on le connaît aussi, hein, Shuji qui est un bon petit joueur. Il y a quand même pas mal de Français. Il y a encore de la place, hein. Venez, venez, il y a encore de la place, il y a encore du monde. Il y a encore du monde chez Edmond. Non, il y a encore de la place pour du monde chez Edmond, c'est mieux plutôt. Ça ne veut plus rien dire, ça me semble la fatigue, hein, la fatigue, je n'en peux plus. Tout est en train de streamer, de remplacer des gens, de se faire déplacer des horaires pour mettre ce programme de merde sur la chaîne Powerplay. Là, on en est rendu, hein, sur jeuxvideo.com, c'est la fin. Hein. Le site va mourir avant Respawn. Hein. C'était pas la peine que Webmedia rachète ça, je sais plus combien, 90 millions. Est-ce que ça valait vraiment pas la peine, hein. Tellement à chier. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe là? Contrition, il a l'air quand même de bien tenir la barre. Il a l'air d'être bien. C'est un 3-mâts. Il est fier, il sait haut, tout ça. Ouais, Contrition qui a bien du jeu. Oh là là, oh là là, ce qu'il a envoyé à Shuji va le sentir passer. Skull est en train d'essayer de monter quelque chose, mais ça va pas suffire, ça va pas suffire. Il envoie quelques rennes, mais ça ne va pas, à mon avis, permettre de tuer Contrition qui est en train de montrer autre chose. Ah ouais, de toute façon, quand même, il a pris des dégâts là, pas mal, qui se sont enchaînés Contrition. On va l'appeler con, hein, c'est tellement plus simple et puis tellement plus gentil à son égard. Con, il est vraiment en train d'en prendre
plein dedans, hein, c'est le cas de le dire, ah, c'est le chaos du côté de Olascal, ça a vite rempli, ça a très vite rempli, Shuji qui essaie de lutter, Shuji qui essaie de faire quelque chose, qui essaie de trouver des solutions, on voit rien, là, ça enchaîne pas, attention, il y a du jeu qui est monté, du double, du triple, du renne, oh là, il y a tout ça, il y a tous les animaux, la péta, oh là là, là Shuji, ça a été un carnage, hein. Oh le lavement que Shuji vient de prendre là, il peut plus s'asseoir, hein. Ouais, qu'est-ce que c'est, j'ai rien fait, je suis innocent, ce n'est pas moi, je ne fais pas la sortie des écoles. Vous me confondez avec un autre. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, j'ai perdu tout mon niveau de jeu là. Qu'est-ce que c'est? Mes chakras sont refermés. Attends. Prends mon Tetris. Tu la sens ma barre vigoureuse s'insérer dans ton jeu de façon audacieuse. Allez. Bon, je sais pas. Écoute, je vais la mettre là. Hein, puis on verra bien. C'est ce que je dis tout le temps. Allez. Chut. Je suis meilleur que toi. J'ai des barres. J'ai encore des barres. J'ai du jeu. Tais-toi. Respecte mon jeu. Ah. Oh là là, c'est quoi c'est. Putain, je fais n'importe quoi là. Oh là là, ok. Oh, cet enchaînement. Magnifique. Magnifique. Ouais, je vais mourir. Ah, c'est beau, hein. Il y a du level là. Allez, on a la mort. Je suis encore là. Je survis. J'ai la tête qui sort de l'oreille. Regardez, je suis là. J'étais presque. J'ai eu un petit moment d'hésitation et ça m'a perdu. Et vous voyez, dans cet élan de fraternité, j'ai quand même essayé de tout donner. Peut-être qui pour quelqu'un pourrait exprimer quelque chose, je ne sais plus ce que je suis en train de dire, mais vous voyez, la générosité. Générosité, ça veut dire que quand je vois quelqu'un, je tends la main. Et en tendant la main, j'attends un retour. Un retour qui me fera plaisir. Une main sur la cuisse, une main sur la fesse. Un geste de tendresse dans cette humanité qui n'en fait plus pieuvre depuis des années. Les pieuvres, parlons-en. Parlons-en des pieuvres. Le commandant Couteau les a chassées pendant des années. Elles en avaient un rat. La tentacule, et si tu avances qu'en tentacule, on comprend plus rien. Et j'espère quand même, comme ça, donner aussi aux gens l'élan, l'animal, cette volonté d'aller plus loin. Merde, ta gueule. Ah, je n'ai pas le temps. J'ai été complètement censuré par l'Académie française. Je continuerai ce poème une autre fois. Non, mais c'est moi jouer, s'il vous plaît. Monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, j'étais dans les vestiaires. Ça peut pas être moi. Je ne lui ai pas mordu les testicules. Oh putain, alors je joue comme une casserole. Hein. Il faut que j'arrête de faire des pauses, moi, dans la tournée des bars. Oh, c'est pas possible, ça. Qui c'est qui a touché mon clavier, là? Qui c'est qui m'a passé les touches en QWERTY? En de salopard. J'ai mal. Je vous le dis, honnêtement, c'est dur, je viens pour vous présenter une émission, je n'ai rien fait, vous voyez, je joue à 33 LPM, je fais tout ce que je peux et je me fais retourner, ce n'est pas possible, il faut faire une pétition, s'il vous plaît, sauvez Sephiroth, arrêtez de le remplir comme ça violemment alors qu'il n'a rien fait. Je suis déprimé là, je suis complètement déprimé. Hein. Est-ce que ma vidéo de la danse fonctionne? Parce que tout à l'heure je me suis fait complètement avoir, j'ai le temps, de toute façon on s'en fout. Hein. On est dans un stream complètement professionnel, préparé, alors je sais pas, qu'est-ce qu'on voit? Attendez, je vais finir de l'éditer, ça c'était pas prévu, ta gueule. Putain on voit plus rien là, alors attends, ça ici, tac, on réduit un peu, est-ce que ça passe? Bon c'est pas, allez hop, est-ce que ma danse va passer? Ah, je suis bien là. Ah, je me réconforte. Ah, je suis en forme. Ah, c'est magnifique. Jeuxvideo.com. Premier sur la danse du fou. Ah oui, applaudissements. J'en perds mon casque.
Ah, ça fait du bien, ça fait du bien, ça y est, je suis reconcentré, je suis reconcentré. Ah merde, faut que je vous enlève ça, ça n'a plus dans la vidéo, ta gueule, j'ai pas le temps de jouer, je ne sais plus où je suis, s'il vous plaît, redonnez-moi les commandes, les commandes, je ne peux pas tout faire, ce bande de salaud, je n'ai rien fait, je vais essayer de sortir ma paire de deux. Cette saloperie, putain, l'écran il est déjà cané, alors que moi j'ai placé 3 pièces dans mon jeu, c'est pour vous dire quand même, c'est n'importe quoi ce jeu. Alors que moi j'étais en train de faire le gros con, il y a Necro, il a tout pris pour moi. Merci Necro, j'admire ce que tu fais, c'est très bien. J'aime beaucoup ce que vous faites. Elle était passée, elle est où? Elle revient. S'il te plaît, reviens. Ah, c'était magnifique. J'ai même pas eu le temps, j'ai même pas eu le temps quoi. C'est n'importe quoi. Je me sens puissant, j'ai eu Sephiroth. Ah bon? Ou ça, quand? Pas sûr. Non, tu n'as pas eu Sephiroth. C'est Sephiroth qui n'était pas là. C'est pas la même chose, en fait. Hein, il faut quand même... Ah non, c'est pas lui. Bah ouais, c'est pas lui. C'est pas ce que je disais. Alors, merde. Quand même, petit peu de respect, quoi. Alors, monsieur joue à Mario Kart 8, mais il est pas capable de savoir qui c'est qui tue à Tetris. C'est quand même incroyable. Alors, s'il te plaît. Moi, c'est pas moi, j'étais en train de danser. Et il y a des millions de téléspectateurs qui peuvent complètement attester. Merde. Putain, mais faut que je me concentre, moi. Je fais tellement de la merde, là, depuis... Tu m'étonnes que je me... Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh, mais remboursé, quoi. Ah ouais, là, c'est catastrophique, hein. Non mais là ça va plus. Attendez. Ne vous énervez pas. Je vais aller faire juste un peu de... Une petite mise au point là. Parce que là il y a quelque chose qui ne va vraiment plus. Qu'est-ce que c'est que ce niveau de merde? Moi faut que j'arrête de faire des pauses. Hein. Attendez les barres. C'est définitif. À chaque fois qu'on fait une pause, hein, je suis incapable de placer 3 pièces d'affilée après. Et là c'est quand même lamentable quoi. On dirait Nécro. C'est pour vous dire quoi. Pour dire le niveau atteint dans ce stream quoi. Alors attends. Ah, ça revient, je sens que ça vient, lâche pas le frein. Hop. Ça, je sais pas où me foutre. Ça, là, ici. Très bien. Ça, à l'autre jour. Oh, c'est dégueulasse, hein. Mais même, je vais réussir à mourir alors que je prends pas de dégâts, hein, tout seul en training. Hein. C'est lamentable. Hein. Remboursé, hein. Oh, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fous? Ah, c'est la fatigue, ça, c'est pas possible quand même, il y a quelque chose là. Bon, putain, et Necro, il a réussi à mourir avant moi? Non, sans deck. Necro, il est mort avant moi? Non, Necro, tu le fais exprès, tu joues plus, t'es plus devant ton écran, là, c'est pas possible. Merde. Ça devient du grand n'importe quoi. Voilà, et oh, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Non mais non mais s'il vous plaît, là c'est pas possible, on peut pas laisser ça, on peut pas diffuser ça, on peut pas. Non, hein? Vous êtes d'accord quand même avec moi? C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Les gros qui me dit viens sur un vrai jeu, on va goûter au carapace. Je vais venir avec ma Mercedes-Benz de Mario Kart 8 et je vais tous vous bourrer, hein? Parce que dans ma Mercedes-Benz, voilà, c'est tout ce que vous méritez. C'est tout ça, les mecs ils jouaient avec des carapaces, mais là on joue avec des barres, hein, les vrais, voilà. Là on a la représentation de l'objet phallique, on joue pas avec des espèces de petites carapaces, voilà, c'est rien. Bon, on est de temps en temps un petit peu censuré, c'est le problème. Il y a la censure jeuxvideo.com, vous voyez, qui frappe de temps en temps. Bon, avec Canal+, tout ça, bon, vous dire, ça vous êtes maintenant habitué, hein, je veux dire, c'est la télé quoi. C'est la télé. Bah tu dis quoi? Je dirais absolument rien. Je n'ai rien vu. Ouais, vous avez vu quelque chose? Moi, je n'ai absolument rien vu, hein, pour ma part. Ah, j'ai rien vu. Moi, je n'ai absolument rien vu. Il ne s'est rien passé. Hein. J'ai une construction impeccable de A à Z. Ah merde, faut que j'enlève quand même la censure parce que sinon, ça va mal se passer. Ok, je me suis planté de bouton. Ah ouais, c'est ça. C'est pas la bonne pièce. Me disait aussi. C'est pas le bon sens de rotation. Ok.
Ouais, non, mais là. Ok, mais en plus je fais des. Ouais, non, mais alors attends, bon, attends. Là, ça ne va plus. Là, ça ne va vraiment plus. Je suis plus concentré. Je n'arrive plus à faire trois parties d'affilée. Alors, les mecs, ils profitent, hein, bien sûr, là. Ouais, c'est ça aussi, hein. Les mecs, ils profitent de ma faiblesse. Je fais plein d'heures chez Gaming Live. Et après, les mecs, ils disent: Ah, bah là, tu vois rien à Tetris. Bah ouais, ouais je bosse, quoi. Autre chose que se branler les couilles sur Mario Kart, quoi. Alors attends, hop. Comment c'est? Ah, je suis obligé de m'échauffer parce que là, sinon je vais gagner trop facilement, vous comprenez? C'est ce qui est un tout souci. Quand on a un joueur à mon niveau, c'est très difficile de jouer contre des gens qui sont moins forts que vous. C'est un principe de base. Putain, mais là, je vais réussir à mourir. Putain, une exé, quoi. Oh la vache. Ah, je me fais peur. Hein. C'est la vieillesse. Hein. C'est complètement le début de la vieillesse. Je l'ai mis où? Je sais pas. Oh, c'est quoi ces rotations que je finis même pas de faire? Allez, concentre-toi, bordel de merde! Oh, mais c'est pas possible ces erreurs. Putain. Bon, allez. Ah mais d'accord, mais en fait je me plante de boutons à chaque fois que je lance. Donc du coup, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas possible. Putain mais... Eh, s'il te plaît. Est-ce que j'arrive à lancer trois attaques de suite sans mourir? Pas dit, hein. Ah! Ah, ici, 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 je suis con. Je suis con. Sans remplissage. Hein. Allez, salut, 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 salut! Ah, j'ai tellement fait remplir là! J'ai tellement construit quelque chose de vite, 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 vite! Du jeu, du jeu, du jeu, du jeu! Ah, j'ai plus de jeu! Je regarde les jouets, je les regarde jouer en plus! Ah, je les regarde jouer! Ah, c'est fini pour moi! C'est quoi ce... Quatrième! Oh, c'est mauvais! C'est mauvais là! C'est complètement mauvais là! Oh là là! Bon, ça revient quand même un petit peu. Là, j'étais plus dedans, hein, mais oh! Putain, j'ai du mal! Allez, je vais en faire encore une petite séance de practice. Là, ça m'a un peu réussi. Parce que j'ai du mal là. En fait, je fais des erreurs, je me plante de boutons. Donc, forcément, quand vous faites une rotation à droite et vous en sortez une à gauche, vous gagnez pas en termes de vitesse, hein, ça c'est carrément certain quoi. Ah. Allez là je fais rien là, c'est quoi ces phases où je joue pas là? Construis là, qu'est-ce que tu fais? J'attends là, je m'endors en fait par moment dans le jeu. Et t'as pas le temps de t'endormir. Tout le temps jouer, tout le temps des solutions, bim, 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 ah ça qu'il faut. Ça tue des nécros ça. Des nécrophiles. C'est quoi d'ailleurs ce pseudo? Douteux quand même ce pseudo. Pas dire, mais je sais pas ce que vous regardez sur Gaming Live. Hein. Il y a un mec qui a un pseudo nécro.
Allez, de surveiller les cimetières près de chez lui, moi. Ah, va pas être propre, hein. On a retrouvé des traces de formol, hein. Ah, ils ont tourné la série Bones chez Necro, en fait. Ça fait toujours penser à cet épisode de South Park, vous avez sans doute vu le mystère mystérieux, avec Korn et la parodie de Scooby-Doo pour un Halloween. Du coup, il y a les experts du FBI qui expliquent ce que sont les nécrophiles. Et pour expliquer ça, ils prennent un pot de marmelade. Ah, GG, voilà. GG, voilà. Ah, mais c'est pas possible de faire de la merde comme ça! Allez, allez! Concentration. Concentration de merde, ouais. Avec un jeu à la gland. Voilà, ça tue un nécro là. Oh, nécro, il est retourné dans sa tombe. Bim! Allez, on essaye. Oh là là là, par contre, je fais des boulettes. Attends, pain. Ah. Attends, hop, hop, hop. C'est quoi ces solutions très arbres que je fais moi? Je vais me faire remplir. Oh là là! Il y a quelqu'un qui s'est légèrement énervé, je pense. Ah! Pas le miss drop! Ah, c'est le miss drop et ça je peux. Ah, si, ça je peux faire. Ah, cette survie! Je te survivrai! Ah, attends, par contre là, je sais pas ce que je vais survivre. Assez concentré là, il y a du jeu. Des attaques, il y a des attaques, c'est violent. Oh, alors attends, la violence des attaques. Ouais, ça attaque violent. Hein. Ah! Par ici, je trouvais pas de jeu à la fin. Dommage. J'arrive pas à me le faire, moi, con. Hein. Attends, il est pas non plus intordable, mais là. Si... Putain, mais ça y est, je recommence à me retromper de bouton, quoi. C'est pas possible. S'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Pas être capable de se souvenir sur quel bouton j'ai foutu les putains de commandes de ce jeu de merde. Ah! Je sais pas. Je n'en veux pas. C'est pas beau. C'est pas moi. C'est pas ça. Je vais ranger ma chambre. Oh là là, je trouve qu'est-ce que c'est que ce jeu là? Y a pas de jeu, y a pas de jeu, y a pas de jeu. Ça va se faire remplir ça! Oh là là! Ça... Oh! Plus deux fois la même erreur quoi. Oh, laisse tomber le gros sac à merde quoi. Oh putain! Oh ce sac à main quoi. Oh, laisse bête quoi, putain!
Deux fois la même erreur, hein. Deux fois le drop foireux sur le même décalage, quoi. Putain, va t'entraîner. Va t'entraîner. Ah, c'est deux drops foireux consécutifs, quoi. C'est pas possible de faire de la merde pareil. Voilà, il y a un drop qui est un peu sorti un tout petit peu tôt. Ah, troisième, hein. Troisième, et pourtant j'ai fait de la grosse erreur, hein. Même pas comment j'ai fait pour arriver à troisième alors que c'était pas bon du tout. Allez! Putain, j'ai rien. Putain, j'ai rien. Ça arrive sévère. Ah, ok. Bref, pas trouver quelque chose, j'arrive pas. J'essaie. J'essaie, mais ça ne va pas suffire. Un petit quelque chose, il suffira d'une étincelle d'un rire. Alors, sinon, on va être encore, la vidéo va être encore supprimée de YouTube. Même plus le droit d'interpréter, sinon YouTube va me tomber dessus. Quatrième, c'est vraiment mauvais, c'est vraiment mauvais, je trouve pas de solution. Ça ne va plus, ça ne va plus. Qui c'est qui reste là? Shuji, Aona, toujours les mêmes. Shuji, Contrition. Nécro pour les Tetris dans Sephiroth, s'il te plaît, respecte-moi quand même. C'est pas le micro-barre de Nécro qui va me faire quelque chose, quand même. Faut qu'il vienne sur Wii U, mais aura-t-il le cran? Je n'ai pas de connexion, je ne peux pas jouer avec vous sur Mario Kart. Voilà, c'est mon excuse. Prenez-la, vous vous la foutez où vous voulez, j'en ai rien à. Carapace, carré, oui, enfin bon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ma défense. Donc, Nécro lui en offrira une avec l'argent des lives. Oh bah alors, putain, ça va pas être grand-chose. Hein. Ça va. Qu'est-ce que tu vas pouvoir m'offrir avec l'argent des lives? Qu'est-ce que tu vas pouvoir ouvrir? Engage, hein? Je pense Engage, hein, Nécro. Par ça. Je vois pas trop ce que tu pourrais envoyer, quoi. Je vois pas trop. Hein, j'ai un petit peu aucune idée. Je dois bien te l'avouer. Excuse de petite barre. Mais oui, mais oui. Et alors, qu'est-ce que ça fait? C'est les petites barres qui font quand même mal, tu vois. Même en jouant comme un sac, bah, je suis pas si mal classé que ça. Je suis pas si mal. Hein, voilà, tout ce que j'ai à dire. C'est une petite barre, mais vigoureuse. Et ça, c'est essentiel. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Tetris, ça se joue comme ça. Bon alors qu'est-ce qui se passe là? Putain les mémés là. Ah bah putain merde. Ah bah du coup il s'est barré. Il s'est barré. Vous voyez le marqué le con. Con quitte. Ah dommage. Dommage. Bah ça si du coup con est parti, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors qu'est-ce qu'on se fait chier? Alors c'est le moment d'aller sur Twitter. Ah bah il se passe rien. Qu'est-ce qui se passe sur Twitter? C'est le moment. Alors est-ce que Zara continue à nous vendre? Ah attendez, on me dit que c'est le moment de rejouer. Voilà. Oh là là, c'est quoi ce mise drop? Oh là là, putain, en plus, y'a rien qui marche dans le jeu de merde. Je vais tellement me faire remplir.
Ah, best... best né... Oh, j'ai pas de jeu, j'ai pas de jeu, j'ai pas de jeu, s'il vous plaît, j'ai pas de jeu, j'ai pas de jeu. J'ai dit que je n'avais pas de jeu. C'est dégueulasse, je n'avais pas de jeu. C'était dégueulasse de faire ça. C'est absolument dégueulasse. C'est tout ce que je dis. N'avez pas à faire ça à un joueur qui est décent. Alors je trouve rien, non. Zara nous vend plus de t-shirts toile jaune. Alors c'est dégueulasse. Hein. Si même eux ils vendent plus rien, il se passe rien. Le monde.fr fait pas une magnifique news jeu vidéo avec 26 fautes dedans. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben je suis déçu alors. Je suis complètement déçu. Hein. Ah il se passe rien. Hein. Oh, il se passe rien. Hein. Il se passe complètement rien. Hein. Ah bon alors qu'est-ce qui se passe là? Akai. Ah y a plus que moi qui est. Ah y a Gamandra qui nous a rejoint. Salut à toi. Bon alors on se fait chier là, j'envoie une pub là, c'est pas possible, hein. Ça sera aussi palpitant que de voir une pub pour voir aussi peu de jeux. Allez, page de pub, on revient tout de suite pour la dernière ligne droite de cette tournée des bars, n'hésitez pas à participer si vous le souhaitez. On est bien dans la tournée des bars, une émission sérieuse, culturelle, le meilleur certainement programme de gaming live que Arte nous envie tant le niveau intellectuel est élevé. Allez, on va donc se finir, hein, c'est normal, c'est l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Alors avec une bonne grosse room, bon là, qui c'est qu'il y a? Je vais aller là, je vais me mettre là, ça n'a pas l'air très violent là, hein. Je vais juste faire un tour. Là, à mon avis, c'est pas la room très forte. Hein. C'est bien pour ça que j'y vais d'ailleurs, hein. Tellement que je suis nul. On me dit, il est où le niveau japonais? J'ai envie de te dire au Japon. Hein, c'est un petit peu en soi le principe. Hein. Comme tu peux le voir, je n'ai pas tout à fait les attributs d'un japonais. Hein, je suis beaucoup trop grand. Alors. Bon, par contre, à un moment donné, il faudrait que je puisse jouer, s'il vous plaît. Alors, il y a Lord Meek, hein. Il y a des magnifiques pseudos, il y a Mathias. Et c'est la mort qui a assassiné Mathias. Lollipop, j'aime beaucoup ce que tu fais, Lollipop. Ah, bah, le conseil que je peux lui donner, c'est de savoir jouer, oui, bien sûr. C'est le meilleur conseil qu'on puisse jouer. Hein. Le meilleur coaching, hein. Le coaching, bien sûr, quand ça va mal et que tu perds, un bon coach te dit. Joue mieux. Voilà, ça c'est des conseils incroyables. Alors, bon allez, dépêchez-vous là, putain. Moi j'ai une émission à faire là, messieurs. Vous êtes sur jeuxvideo.com. Ah bah quand même. Vous êtes sur jeuxvideo.com, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce que tu as ta saloperie de pièces de merde que je sais pas quoi vont faire. Commence bien. Ouais, bah ça va, ça va. Je teste, j'essaye de t'arnaquer le jeu, on sait jamais si tu me permettais de tricher. Ça pourrait être une solution. Oh, je vais miss drop. Putain, mais c'est pas possible, hein. Faut que j'arrête les pauses, moi, parce que...
Ah, après la pause, je vois rien, hein. C'est pas possible. Je sais pas où je laisse mon cerveau, mais... Je vais être en train de jouer à MGS, là. Alors, vous me voyez. Oh là là. Ok. Ah, ce jeu. Ce jeu de merde vous est proposé par Sephiroth. J'espère que vous l'appréciez, vous, si vous, chez vous. À tel niveau, c'est quand même digne d'un entraînement des plus acharnés sur ce jeu. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je construis tout à l'envers. Bon. Toi, j'ai réussi à mettre un mec KO quand même, hein, c'est pour dire. Construisons comme un gros sac. Meilleur jeu de l'univers. Hein. Ouais, je veux dire, bon, ça se tente hein, sur un malentendu. Ah ouais, non, mais y a pas moyen. Qu'est-ce que je fais, quoi? Putain, mais... je vois pas le jeu. Écoutez, je pourrais jouer les yeux fermés, c'est pareil. Un tel niveau... Ah ouais, là, c'est impressionnant, hein. Putain. J'arrive même pas à récupérer. C'est pas possible. Qu'est-ce que je fous? Le streamer qui est en train de décéder en direct, quoi. Vous le voyez à son jeu. C'est pas à sa figure, c'est à son jeu. Non, pas à son jus. Eh, hey, ça va, ça va, ça va. J'ai le temps. J'ai tout mon temps. Y'a personne derrière moi. J'ai les clés de la TV2. Ah! Ah bah oui, à force de mal jouer. Ah, 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 ah! Putain, je suis en train de construire dans un mouchoir de poche, là. Aïe, 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 aïe. Putain, je me suis fait bourrer par Mathias, hein, c'est inadmissible. Bon, ouais, attendez. J'en fais une vraie, là. J'en fais une vraie avec du skill et tout, des bons placements. Allez, c'est parti, c'est promis, pour vous. Ouais, ça va, pas besoin de faire ta bouche à pipe, Ben Groller, j'ai compris. J'ai compris, tu veux du jeu, tu vas en avoir. Allez. Putain, mais comment je place cette pièce, là? Oh, mais c'est pas possible. Oh, non, mais là... C'est une catastrophe, hein. Ah, je vous fais que des françaises là, aïe aïe aïe. Mais qu'est-ce que je fais? Mais et je vois aucune solution de jeu. Hein. Je dors. C'est pas possible. C'est inadmissible. C'est introduisible. Oh, magnifique! J'ai réussi à placer trois pièces! Je me surprends moi-même! Meilleur jeu de l'univers! Hein. Ah! Allez, j'ai mis un petit KO. 3 ans après. En fait, je joue tellement bien que j'ai mis un KO sur la partie d'avant. Il y a les chaos qui tombent là. Ah. On tente un bourrage. Oh là la vache.
Cette concentration pour placer trois pièces, c'est invraisemblable, quoi. Oh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je confonds les pièces maintenant. Non mais what, quoi. Oh, je l'ai quand même eu. Je l'ai quand même eu, je sais pas comment. C'était n'importe quoi, hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, une petite dernière ici. Après, on changera de room quand même, parce que là, je vais m'endormir. Tellement je joue bien. Même moi, je me fais chier, c'est pour vous dire. Tellement c'est minable ce que je propose. Ah, ça va! Tiens, tiens! T'en veux du Tetris, tiens! Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, je peux pas. Je l'ai tenté. Le jeu m'a dit non. Ah, un petit chaos. Ryo qui a pris son petit KO. Je suis en train de m'endormir. C'est catastrophique. Vous aussi, je pense que vous vous endormez. Hein, tellement, le niveau de jeu, je me fais chier. Je suis en train de. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, excusez-moi, j'ai gagné. Bon, allez, merci. C'était très bien. J'adore ce que vous faites. Je me casse. Alors, du coup, allez, il nous reste combien de temps là? Juste, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. C'est qu'il y a de la place. Allez, on va aller complètement se faire démonter, voilà, pour finir. Là, ça va être tout. Je peux mettre, voilà, ça, voilà, ça, carrément. Ça va être bosseur aussi. Tiens, ça, carrément dans ta gueule. Voilà. Tout va bien se passer. Hein. Bonjour, vous êtes toujours dans la tournée des bars. Et là, ça va être la dernière confrontation. Un petit coup sponsor, voilà, tout à la fois. Tac, 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 tac. Voilà, c'est parfait. Très bien. Allez, on est bien. On est prêt, là. On est prêt. J'ai fait mon placement produit. Je pense que ça va très bien se passer pour moi. C'est-à-dire que vous allez me voir placer deux pièces et game over. Ça va être à peu près ce qui va se passer. Alors je vous l'explique, hein, parce que quand même, voilà, il y a des gens qui se demandent qu'est-ce que ce concept incroyable que la tournée des bars. Bah, c'est très simple, hein, je prends un jeu auquel je suis particulièrement mauvais et je me fais détruire le fion. Voilà, ça c'est pour votre information, un format fion. Bah, ça se passe bien. Ça se passe bien, je le vis très bien. Hein. Après, voilà, demain, bah, je ne vais pas pouvoir m'asseoir. Donc, du coup, dans Super Plein Entraînement, je jouerai à Metal Gear debout. C'est très pratique. Metal Gear Solid debout en speedrun en extrême. Très bien. Magnifique. Magnifique. Ah, ouais, je peux vous dire que je m'assois sur les sticks arcade maintenant. Bon, allez. Maserati. Ah, bah, si Maserati est là, tout va bien. Pas de placement produit non plus. Pas de marque. Oh putain, alors, première pièce placée. Voilà, qu'est-ce que je disais? J'ai même pas regardé le niveau de jeu. Hein. Non mais oh, s'il vous plaît, là, c'est quoi ça? C'est j'ai le droit de jouer, j'ai le droit de faire quelque chose. C'est en option. Ah, on a aussi la plus chère. Oh merde! Oh, là, c'est. Oh, je reviendrai plus. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Non mais c'est quoi ça? Non mais franchement. Ah ouais, là, ça rigole pas quoi. Hein. Putain. Tu peux montrer le greffe du monsieur 41, il est où? Monsieur 41, alors est-ce que. Ah! Ah, ça c'est de l'ouverture, hein. Ah, ça c'est quelqu'un qui est très très ouvert à la discussion, hein. L'élargissement des cercles des poètes disparus, hein. Ça c'est complètement gagné. Là. Là. Pouaille, aïe, 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 aïe. Là.
Voilà quoi. Bon bah voilà. Bon, on finira quand même comme toujours. Hein. C'est le climax dans cette tournée des bars hein, par une insertion. Voilà, c'est une insertion, un corps étranger dans mon Tetris. Et vous voyez combien ça fait mal. Combien ça fait mal. Ah là 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 là, c'est difficile, c'est difficile. 42 en LPM. Moi, je suis avec mon petit 34,8. 34,8, quoi. C'est même pas les températures qu'on a eu cet été, hein, d'ailleurs. On n'a même pas eu ça. Hein. Moins 34,8, ça, on les a eu. Mais alors, les 34,8, je les cherche encore. Hein. Pouah, tellement difficile. Allez, allez, ah bah, s'il y a pas Hayao Miyazaki. En plus, il est plus chez Ghibli. Ghibli qui est en pause. On sait pas ce qu'ils font, on sait pas, on veut plus savoir. Putain, en plus, alors moi je pose à 2 à l'heure, alors là. Eh, vas-y. Laisse-moi jouer. Oh, puis en plus, je rate tout. Ah, puis alors, je suis catastrophique, moi. Wouah, la vache. Putain, j'ai des crampes de partout, j'ai mal aux mains, qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 aïe. Oh là, Miyazaki, il a pris cher aussi. Hein. Oh putain, c'est injouable. T'as même pas le temps de placer 3 pièces. Mais respect si tu prends une game. Non mais, je vais rien prendre du tout là. Là, je vais prendre un bon lavement, c'est tout ce que... On est bien d'accord, hein. Je vais prendre juste un énorme lavement. C'est tout ce que je vais prendre. Je n'arrive même pas à placer 3 pièces, c'est pour vous dire. Je vais faire un peu de practice là, parce que là, je sais pas, il n'y a pas eu de pause, mais alors je dois être fatigué. Je n'arrive plus à placer 3 pièces. Ah ouais, non, mais là, c'est pas humain, hein. C'est pas humain, c'est de l'élevage. Hein. Ne montrez pas ça aux enfants. Hein. Je sais même pas si je vais mettre la VOD sur YouTube, hein. C'est trop dégueulasse, quoi. On n'a pas le droit de montrer ça, quoi. Ça va, quoi. Bon, il est minuit, hein, parce que. Qu'est-ce que je fais, moi? Moi, ça. Putain, non, mais moi. What? Non, mais. Non, mais voilà, quoi. Là, il y a un moment, faut enlever les ordinateurs qui sont en train de jouer. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Ça ne peut pas se passer comme ça. On est bien d'accord là. C'est quand même incroyable. Je place 3 pièces, le cran il est déjà rempli. J'ai même pas eu le temps de faire une ligne. C'est lamentable. C'est complètement lamentable. Hein. Alors là, franchement, je suis au top de ce que je peux vous proposer. Hein. Je pense que. Là, après ça, hein, j'aurais mis tout le monde d'accord. Hein. Personne ne va vouloir m'affronter sur ce jeu. Hein. Tellement j'ai une puissance. Voilà, les parties, elles sont finies en 2 secondes. Tellement les mecs, ils ont pas le temps, quoi. Non mais, je prends déjà du dégât, j'ai placé 2 pièces. Expliquez-moi. Expliquez-moi quand même. J'ai juste placé 2 pièces. Il y a un moment, faut peut-être arrêter les conneries. C'est parti, vas-y. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, bah je fais ce que je peux. Hein. Écoute, là. Oh là là, ça passe pas, ça ne veut pas passer, ça ne passe pas, bordel de merde. Non mais voilà, c'est la tournée des barres quoi. On veut ma mort, hein. On veut ma mort, on veut tout simplement que je décède. Hein. Je place 3 pièces, j'arrive pas. En plus, tout le monde s'acharne sur moi. C'est un malheur. Hein. C'est une éviction en bonnet du forme, hein. En bonnet rouge. Putain, refoutez les Kotaks quoi. Non mais ouais, il y a des fois. Hein. Quelle idée, hein. Quelle bonne idée j'ai eue. Hein. Putain, j'aurais mieux fait de me couper un testicule, quoi. Ouais, tourner les barres, ça va plaire aux gens. Ça va être bien. Tu vas pas perdre du tout. T'auras le temps de placer 3 pièces. Meilleure idée de la Terre. Hein. Pas du tout un stream après lequel vous êtes dépressif. Ça n'arrive pas. Oh, putain, même là je fais des erreurs. Oh, j'en peux plus. À peine 3 mois sur Gaming Live, déjà en train de décéder. Bientôt dans Confession Intime. Gaming Live a eu ma vie. Alors en plus j'ai une distribution mais magique. Emi magique. Ah ça va, commence pas. Laisse-moi placer 2 pièces. Un peu de respect pour les handicapés. Je sais pas, soit ça passe, soit ça passe pas, on sait pas. Le jeu il dit non.
Le jeu, il dit tout simplement non, il dit t'es nul. Aïe, 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 mais c'est pas vrai. Non, mais franchement, ils sont défiants dehors. Mais non, c'est pas possible, ils dorment dans le jeu, s'ils sont dans la matrice, là, c'est incroyable. Oh putain, il y a Ben qui est arrivé. Ah putain, alors même moi, j'ai perdu avant Ben, hein. C'est pour vous dire, je n'arrive pas à placer trois pièces, hein. Je sais pas ce que je fous, et je n'arrive absolument rien à envoyer, hein. C'est pas possible, quoi. Putain, il faut envoyer tout de suite, quoi. T'as pas moyen, il faut envoyer une toute petite ligne pour les en rien prendre. Je prends tout dans la gueule, moi. Je sais pas ce qui se passe là. C'est pas possible, il y a. C'est la chasse à l'homme là qui a débuté. On veut ma peau. On veut me faire tomber. Après Sarkozy, je suis le suivant sur la liste. Laissez-moi tranquille. Non, mais. Pas évident tous les jours. Hein. Streamer chez Gaming Live, faut voir ce qu'on prend. Hein. Traité comme de la merde, on change vos horaires à la dernière minute. On vous dit non, toi tu stream là, toi tu stream là. Ah, ils sont mieux considérés chez Foxconn, hein, moi je vous le dis. Putain. Conditions de travail dégueulasses. Payé avec l'argent de la gratuité. Oh, ça me déprime, toujours sixième, toujours sixième, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai marre d'être sixième, tiens. Je joue magnifiquement, je suis sixième. Ouais, vas-y. Alors, tais-toi. Tais-toi, j'ai dit. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? C'est la pièce que je ne peux pas absolument pas foutre dans mon jeu, il me l'envoie. Qu'est-ce qui se passe là? J'arrive à jouer deux frames. Ah ouais, je me disais aussi, il doit y avoir une petite erreur là. On vous a oublié, monsieur. Attendez, on s'occupe de vous. Ne raccrochez pas. Ne partez pas tout de suite. Aïe, 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 sixième, mon mort. Tu vas pas me dire, comment ça se fait que je me fais remplir? J'ai quand même envoyé deux, trois petits trucs, je suis à 32. Bah non, je tue personne. Pas possible de tuer quelqu'un, je prends tous les dégâts de la room, quoi. Sixième encore, non mais. Non mais là, moi ça me déprime, hein. Ça me déprime. Ah, là, il faut que je me remonte le moral, hein, parce que là, j'en peux plus, quoi. Ça va pas là. Oh là là. Oh. Ah, ça me fait du bien. Ah, ça y est, je revis. Les pulsations s'emparent de mon corps. Je suis là pour vous. Je reviens. La tournée des barres, la puissance, c'est féroce. Super guerrier. Ah, c'est bien plus intéressant que ce qui se passe à l'écran. Hein. Magnifique. Oh là là, cette cascade. Putain, Rodriguez quoi. Rodriguez. T'as le mec qui a failli se caquer une burn. Hein. Ah, quelle athlète. Ah, ça va mieux. Ah, ça va mieux. Ah, ça y est, je vais être bien là. Je vais être bien pour la dernière partie. Allez, la dernière game. La dernière game, il speedrun la loose, tout à fait. C'est ça. Je vous montre le bon côté du super play. Savoir perdre avec le sourire. T'as ce sourire de pervers. C'est pas où la chaîne super play. C'est TV1. TV1, c'est garanti super play. Non mais c'est folie. Bon par contre dépêchez-vous là. Ah mais y a plus personne là. Ah mais c'est pour ça aussi, il reste plus que Ainoob là. Et les autres ils servent à rien. Et c'est pour ça que j'ai survécu quand même 2-3 lignes. Je me disais aussi c'est bizarre. Je me disais tiens je suis pas mort quand même en 2 secondes. Alors normal. Et à moitié qui sont partis. Y a plus la Ferrari, la Maserati, enfin la Maserati, la voiture de course on s'en fout, elle est plus là. Encore un futur DLC de Mario Kart, ça certainement. Ils ont tellement des bonnes idées chez Nintendo. Bientôt le DLC Renault. Est suivi du DLC très attendu Lada. À être carrément joué. Hein. Le défi, ça sera de finir le jeu 150, en 150 avec une Lada. Je vous dis, il peut avoir vraiment du challenge. Un écro est déjà sur le coup. Hein. Il a rangé sa moto, il a tout rangé.
Aïe aïe aïe, bon allez, dépêchez-vous, on va même pas pouvoir en finir, on va même pas finir à l'heure avec vos conneries, je suis obligé d'attendre la dernière game, les mecs ils se dépêchent pas, ils ne se tuent pas. Allez, allez, Miyazaki, on s'en fout, tes derniers films ils sont nuls à chier, allez mène-toi, à foutre, j'aime pas ce que tu fais, j'aime pas ce que tu fais, c'est Porco Rosso c'était bien, après c'était moins bien. Allez, Princesse Mononoké à la limite, allez, Princesse Mononoké, je te l'accorde. Putain, mais je construis 2 à l'heure, j'ai plus de. Je suis mauvais, je suis mauvais. Oh, cette pièce qui est placée n'importe comment. Je me dégoûte moi-même, tiens. Oh. Aïe, 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 c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Oh là. Ouais, je me déprime, tiens. Oh, putain, je suis nul. C'est pas possible. Ah! J'ai pas de pièce. Comment tu veux que je fasse? Ah, j'ai pas. Ah, quatrième! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, quatrième! Ah, je revis! Ah, ça va mieux! Ah, je suis bien! Je suis bien! J'ai fait n'importe quoi, et je ne suis pas mort! Je ne comprends pas! Je ne comprends pas! Mais écoutez, on va s'arrêter là! On va s'arrêter sur une. Pour une fois que je suis pas sixième! Voilà, sur le hashtag, ça va être bientôt. Il est pas sixième! C'est tellement rare! J'aurais dû appeler ce concept de la tournée des rares. Il est pas sixième! Je pense que c'était très bien! Très bien comme nom, hein. On aurait pu passer ça sur la TV1 après une émission de Pokémon, on n'aurait pas vu la différence. Bien, allez, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette tournée des barres. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à Necro, merci à Onaskull, merci à tous ceux que j'oublie. Ben Grolard, désolé Akai si j'en ai, excusez-moi si j'en ai oublié. Suji, ceux qui sont passés dans le chat, merci beaucoup. Ça a été encore une fois très plaisant de vous présenter cette tournée des barres. On s'est bien fait remplir. Il y a eu tout, il y a eu du niveau, du petit niveau, du moyen niveau. Bon, ouais, moi je suis très nul, ça vous le savez. J'espère que voilà, quand même, vous aurez passé un petit moment de divertissement comme ça qui n'était pas prévu pour faire des remplacements, de faux remplacements de gens qui sont en vacances, pas là, qui travaillent, qu'on s'en fout, on sait pas ce qu'ils font. Bon, j'espère quand même. Ça aura été décent pour cette chaîne Powerplay. Vous pouvez me retrouver donc demain entre midi et 14h pour MGS. J'espère avec un niveau un peu plus correct. Quoique je suis pas sûr, parce que si vous m'avez vu jouer depuis le début de la semaine à MGS, on dirait une vieille paralytique qui joue. Hein. C'est à peu près du même niveau. Je pourrais passer encore une fois sur la TV1, ça serait garanti. À bientôt sponsorisé, bien sûr, par Game One. Hein, super plan d'entraînement. Tellement c'est bien. Tellement c'est bon. Vous pouvez me retrouver tous les mardis de 22h à minuit dans Beyond Gaming pour vous commenter du Super Play. Alors là, c'est d'autres gens qui jouent, donc c'est un petit peu mieux, je commente et ça se passe mieux en général, puisque les mecs sont quand même vraiment meilleurs que moi. Vous pouvez me suivre, bien sûr, n'hésitez pas, hein, sur Twitter, Sephiros, @Sephiros avec un 0 à la place du O. Il y a un connard japonais qui a écrit Sephiros comme ça, alors que normalement, nulle part ailleurs, vous le trouvez, hein, celui-là. Salopard. En plus, il n'utilise même pas son compte. Enfin, bon, bref. Le hashtag j'ai la barre si vous avez des questions pour cette magnifique émission. Je pense que vous en avez tous. Hein, vous êtes restés bouche ouverte pendant 2 heures. Et puis, pour suivre toutes les vidéos de merde que je fais sur des sites de merde, entre autres, eh bien, le blog sephiros.wordpress.merde.com, .con même. Si vous êtes intéressé, en tout cas, merci, passez une très très bonne soirée. Je ne sais pas avec quoi, aller jouer à Tetris par exemple, hein, c'est une bonne idée. Vous avez vu, vous allez dormir tellement bien après, vous n'êtes pas du tout été énervé, hein, pas du tout énervé. Pas du tout. Je vais tuer le chat des voisins, moi. Bon, allez, à demain, je vais vous expliquer comment ça se passe. Allez, à demain, bonne nuit et gaming!